me demandiez. Oui, mademoiselle. C'est demain un jour de congé pour vous. Oui. Et vous avez une longue fin de semaine. En effet. Ma femme et moi, nous allons faire une petite excursion dans la vallée de la Loire, visiter quelques châteaux. Voulez-vous venir avec nous? Cela nous ferait grand plaisir. Et puis, il y a bien assez de place dans la voiture. Oh, je veux bien. Quelle idée magnifique. Quand partez-vous? Aussitôt vous serez prête. Qu'est-ce qu'il faut que j'emporte? Oh, pas grand-chose. Seulement assez pour un petit voyage de 3 jours. N'oubliez pas votre chandail et votre imperméable. Est-ce qu'il va pleuvoir? On ne sait jamais en cette saison. Bien, je me dépêche. Ah, les cartes. Grande route, vallée de la Loire, mon guide des châteaux. Très bien. Voyons, la voiture est prête. J'ai fait mettre de l'essence et de l'huile. J'ai mon argent. Voici notre valise. Avez-vous l'appareil photographique? Non, je l'ai laissé sur mon bureau. Me voilà. Déjà prête? Bien sûr. Aussi vite fait. Alors, mettons-nous en route. Je vois bien que les châteaux sont la spécialité de la région de la Loire. Nous en avons vu je ne sais combien aujourd'hui. Et ils sont tous plus impressionnants et plus beaux les uns que les autres. Chaumont, que vous voyez ici, est certainement un château très célèbre. C'est son style médiéval qui me captive. Il a l'air d'un château fort. Est-il ouvert à cette heure-ci? Quelle heure est-il? C'est 1h20. Allons demander des renseignements. Pouvons-nous y entrer? Non, pas encore. La concierge doit être sortie pour déjeuner. L'entrée est fermée. Mais voici une affiche. Ministère de l'Éducation nationale, Direction des Beaux-Arts, Monument historique, Château de Chaumont. Visite 9h à 11h45, 14h à 18h30. 14h, c'est 2h de l'après-midi. Et 18h30, c'est 6h30 du soir. Oui. Est-ce que dans tous les pays, on dit l'heure de 1h à 24h? Non, mais c'est assez souvent la façon officielle de parler. Surtout pour les horaires de train, d'autobus, d'avion, etc. Ah, voilà la concierge qui arrive. Bonjour, monsieur, madame, mademoiselle. Pouvons-nous visiter le château? Oui, madame. Très bien. Mais pas tout de suite. Dans quelques minutes. Nous n'ouvrons qu'à 14h. Avez-vous un billet pour entrer? Faut-il un billet? Oui, mademoiselle. Madame peut nous en vendre pendant que nous attendons. N'est-ce pas, madame? Les billets sont à combien? 1 franc par personne. Ça fait 3 francs les 3 billets. Par ici, monsieur. Attendez au guichet. Bien, madame. Trois billets, ça fait 3 francs. Merci.
En attendant, pouvez-vous nous dire en quelques mots l'histoire du château? Attendez que je consulte notre guide. Ce château a été construit au XIVe siècle. Il appartenait d'abord à Catherine de Médicis. Vraiment? Et ensuite à Diane de Poitiers. Voici un portrait de Diane de Poitiers. Elle est belle. Au XVIIIe siècle, le château de Chaumont appartenait à un monsieur Leray, un ami de Benjamin Franklin. Et je suis bien sûr que Benjamin Franklin y a passé quelque temps. Mais voyons, il est 2 heures, nous avons nos billets, nous pouvons passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous faire visiter le château? Oui, il y a un guide à la porte. Suivez l'allée, tout droit. Merci, madame. Le parc est très beau. Le gouvernement l'entretient en bon état. Les arbres sont magnifiques. C'est là l'entrée du château. Oui. Mais la porte du château est fermée. Ce n'est pas la porte, c'est un pont-levis. Ils vont le baisser pour nous. Voyez. Je trouve ça tout à fait impressionnant. D'ici, vous pouvez voir la cour intérieure. Passons-y tout de suite. Regardez derrière vous. Voilà la porte par où nous sommes entrés. La m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? C'est un porc-épic. C'est l'emblème du roi Louis XII. Oh, regardez là. Les détails sont bien sculptés. Oui, n'est-ce pas? Allons voir les appartements.